On est Shabbat, la page Shin Mem Zayin. Seif. On est dans le Siman Shin Kaf He et Shin Zayin. Dans la Halakha Tzadik Bet. Misada Tziburit Obet Malon Sham El Tsarim Sham Em Nochrim. Vera Shin Ifsak HaChashmal Beshabbat Vanochi Tiken HaChashmal. Im Gam Amel Tsarim Ochrim Sham Be'atzmam. והם גם נהנים מהדלקת החשמל. מותר ליהנות מהחשמל שהודלק. הנה דבריו. הרסטורן הוא הנותן. זה תחי פרובלמטיק לזוטל שבת. כלומר, הקוטל איזה היסטואר, זה האדום ירדבו. כלומר, תשובה לבודום, לוי, לדגויים, מבחן... Le grand méham d'eau chaude, parce que là-bas c'est fini, il transporte avec un, il enlève la prise, et il va de l'autre côté, il la met de l'autre côté, le goy. Alors c'est, comment toi tu peux prendre un thé maintenant ou un café? Comment? Qui te permet? Seulement si maintenant lui le goy, lui maintenant il le fait pour lui-même, toi, tu peux utiliser, mais s'il est fait pour toi, c'est assourd. Même que tu lui dis rien, c'est s'appelle Shlichou, c'est l'échelle, c'est le goy, assou. Le bonhomme lui vient, il enlève, il débranche, il prend tout avec une autre personne, un grand méham d'eau chaude, il va de l'autre côté, il branche, ou il prend la plata, et il fait qu'est-ce qu'il veut, on dirait qu'il est chez lui à la maison. S'il est fait pour lui-même, d'accord, s'il mange là-bas, alors tu peux profiter toi aussi, mais si maintenant lui il fait pour le juif, ça c'est assou, il nous dit le rab. Si c'est un restaurant. Que les meltsarim là-bas, ils sont que les meltsarim. Les serveurs, ils sont goy. Et maintenant, il y a un coupe-circuit. Il vient maintenant le goy, il arrange l'électricité. Alors, ça dépend si maintenant, lui, le goy, il profite aussi de l'électricité. Ça veut dire que lui, il mange, il allume la lumière, il profite de la lumière. C'est bon, toi aussi, tu peux te profiter. Mais sinon, c'est à sourd de profiter. Donc, il dit, oh, Beshabbat, c'est le cholé yudi, chez Ego Sakana, ou ta la baril, il colle au maner, la filo ou im ou makiro, et la houche meyer bebishbilo, de ner le had ner nea, de en hino basé, il m'a goy dit que d'un air, que ben d'isère ou bebeto. Il nous dit le rap, le goy, que lui qu'il a allumé pour Israël qu'il est malade. On parle d'un malade qui est en sakana. Il n'y a pas de sakana, c'est un malade, il est au lit. C'est moutard maintenant que le bonhomme, que lui, il est en bonne santé de profiter de cette lumière. Pourquoi? Même si maintenant le goy, il le connaît, on ne craint pas que lui, il va maintenant rajouter encore en plus pour lui, encore d'autres travaux. Parce que Nerle Echad, Nerle Mea, s'il a allumé une bougie pour un, cette bougie-là, maintenant, ça peut utiliser même pour 100 personnes. Non, c'est bon, il y a encore un problème. Il n'y a pas maintenant, il nous dit le Rav, il n'y a pas de Hilouk. Il n'y a pas de différence. Si maintenant le goy, il a allumé chez lui à la maison ou il a allumé chez la maison de Israël. Puisque c'est le juif qui est malade, c'est Mouta que le goy, il allume pour Israël. Nochri. שהדליק תנור חימום בשבת לצורך עצמו. מותר לישראל להיכנס ולשהות בחדר לחימום לאחד, חימום למאה. וכן אם הדליק את התנור לצורך חולה שאין בו סכנה, מותר גם לבריא ליהנות מהחום שבחדר, ואפילו הוא מכירו. אנגוי כלבי ללימה לשופאז'. שבת. למי ללימה פורנימם? יהודי נורא. C'est Mouta que Israël, lui, il peut rentrer dans cette chambre-là et de profiter de ce. De, du chauffage. Parce qu'un chauffage pour un, c'est comme pour 100, c'est pareil. Et c'est Mouta, même si maintenant, lui, il a allumé le goy pour Israël qui était malade, chez Afilouchen Bosakana. Quand même, le Israël, il peut profiter de cette chaleur. Et même s'il le connaît, nous dit l'homme.
נוכי שהפעיל את ההעסקה המרכזית שבבית משותף. אין צריך לסגור את הברז ההעסקה כדי שלא ליהנות מחום ההעסקה, אבל שעשה כן לצורך עצמו או לצורך רוב הדיירים שהם נוכרים. אבל אם עשה כן לצורך הישראל, אם אין עקור גדול, ראוי להחמיר, לסגור את ברז ההעסקה או לפתוח החלון בחדר, כדי שלא ייהנה ממעשה הנוכרי שעשה עבורו. ינודי לו רב. Le goy, que lui, il a allumé le chauffage. On parle de chauffage central. Et il nous dit, le rab, pas besoin que Israël, il ferme le robinet chez lui à la maison. Ou pas que lui profite le juif. On parle maintenant que le goy, lui, quand il a allumé le chauffage, il a allumé pour lui-même. Mais si maintenant il a allumé pour les autres, pour le juif, ça c'est assourd. Par exemple, il se trouve en Israël, et le goy il a allumé maintenant pour les juifs. Alors ça c'est assourd de profiter. Ça dépend. Il y a des conditions que oui, que le juif faut profiter. De quoi il s'agit? En premier, si on se trouve en Chutz Laaretz, et la majorité des goyim, alors le goy, lui, il a allumé pour la majorité que c'est des goyim. Alors le Israël, lui, maintenant, il peut profiter de ce chauffage. Mais si maintenant, il a allumé pour Israël, la majorité chez les juifs, ça c'est assourd. Ok. Et c'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Ferme le robinet du chauffage central. Ou tu ouvres une fenêtre. Mais par contre, tu n'as pas le droit de profiter. Seulement, si maintenant, il fait très 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 froid, qu'on parle de Koulam, Holim, Bamanan, c'est l'accord. Quand il fait froid, alors ils sont malades les gens. Très 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 froid, quand il fait très très froid, alors quand même c'est moutard de profiter même que le goy il allume pour toi. Comment? Non. Ah non. C'est canard. C'est écrit, à col, holy, mais c'est l'accord. Quand il fait très très, c'est moins 1, moins 10, moins. Là, c'est très dangereux. Alors, mim kom, holy, le gazou, hachamim. Moutar, aflegoy, le mal, et hedia. Tu as dit que t'as sacassé. Moutar, même, de dire au goy qu'il allume maintenant le chauffage. Le rêve, à ça, de carotte, mais on moutar, le mal, par exemple, en France, maintenant, il fait très froid, moins 10, moins. C'est moutard de dire au God à Jean-Claude, Jean-Claude, tu peux allumer. Il marchera, tu peux allumer, s'il te plaît. Il allume maintenant le chauffage. Pour les petits et pour les malades. Les médias, c'est quoi? C'est clairement. Voilà. Bride Mazim, il y a des fois des gorilles. Tu fais un remès, il comprend rien. Eh ben, il fait à la Shiva, ils ont la plata, elle a été. Tu n'as pas le droit de lui dire. Même règle de lui faire des allusions et encore. Et encore. Pour allumer, non, c'était la lumière. Ils ont demandé la lumière, et ils l'ont fait. Écoute, on ne voit rien ici. Et on ne comprend rien. Mort. Vous ne comprenez rien. Qu'est-ce que tu vas faire? S'il ne comprend pas, tu peux être inquiète de dire Migol et Goy. Tu dis à un Goy que lui, il dit à un Goy. Chou di chou di kom. Mitzvah. Un mouta. Abba de mouta, c'est dit Abba, c'est le halak. C'est pas. C'est bon, il va dire à. Il y en a qui sont mechmirim, il y en a qui sont mekel. Alors on peut être mekel quand c'est une mikom mitzvah, comme il nous a dit le rab. En mekel, il y a chelou al malismo. Moutar le mar, le goy, chéadli, qui était à sacré, le zoy, ktani, ktani, vecholim, ou la sot, medoura. De az, moutar gam le gdolim, le enot meachom, veim, akor, gadol, afilou, michil, le gdolim, moutar, chakol, cholim, et c'est l'accord. Il nous dit, et si maintenant il fait très très froid, même pour les grands, le goy lui maintenant il peut éteindre, il peut allumer le mazgan. Le mazgan, ça veut dire le chauffage. Le chauffage, exactement.